Direction maintenant Blanzac en Haute-Vienne où les passionnés d'aéromodélisme s'étaient donné rendez-vous pour des démonstrations de planeurs radiocommandés. Denis Thibaudeau, Mathieu Desgremont. C'est comme les vrais, la même grâce au décollage, les mêmes figures délicates dans les airs. Sauf qu'ici, les planeurs sont téléguidés du sol par leur pilote et mesurent entre 4 et 10 mètres avec des codes très particuliers à respecter. Le but de l'opération avec un planeur, c'est de monter, de prendre les ascendances. Et puis une fois qu'on est très haut, on redescend. Et une fois qu'on est de nouveau bas, on remonte. Et puis ça arrive pas tout le temps. Il y a des fois, on fait que descendre. Le pilotage de ces modèles réduits requiert plus de doigté et de finesse que les avions classiques. Surtout pour les passionnés de reproduction de modèles anciens, plus vrais que nature. C'est une reproduction très fidèle du planeur donc SG-38 de 1938 qui a été conçu en Allemagne. C'est des constructions qui sont assez longues à effectuer parce qu'en général, ils sont réalisés comme le vrai, c'est-à-dire la structure de l'aile en baguette de pin, réalisation pratiquement comme le vrai. Ce modèle a nécessité plus de 500 heures de travail avec un mannequin pilote, des images et du son saisissant de réalisme. Et ils sont nombreux sur la piste tout ce week-end. On a 50 participants qui viennent d'Europe. Le plus loin vient de Tchécoslovaquie, de Suisse et du Grand Hexagone. On a pris 150 planeurs aujourd'hui et aussi de remorqueurs parce que pour mettre des planeurs en l'air, il faut aussi des avions remorqueurs. Donc généralement, les passionnés de planeurs ont aussi un avion remorqueur pour remorquer leurs collègues. Ce meeting aérien sera ouvert au public demain pour la beauté du geste et des images tout aussi spectaculaire.